Se retrouve aujourd'hui pour réaliser une magnifique banane au crochet en Granny Square. Si vous débutez le crochet, pas de panique, je vous laisse vous rendre sur mon site internet où je vous montre en pas à pas toutes les techniques pour débuter le crochet. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les indications nécessaires. D'ailleurs, je vous laisse faire pause et noter tout le matériel. Pour réaliser une petite banane avec des carrés granny square ainsi que la technique pour fixer une petite fermeture à glissière avec des trous. Je trouve que ça donne beaucoup de cachet à notre ouvrage. Vous pouvez bien évidemment retrouver la fiche de réalisation directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Le tutoriel que je vous propose aujourd'hui repose donc sur la création de quatre carrés Granny Square. Dans ce tutoriel, j'ai utilisé le fil tricoton twist. Si vous ne savez pas comment débuter ce fil, je vous laisse dans la description de cette vidéo un ouvrage que j'ai déjà réalisé donc avec ce fil. Mais surtout en euh, première prise vidéo, je vous montre donc comment utiliser cette petite pelote si vous ne savez pas trop comment l'appréhender. Idem pour la réalisation de la hanse, je vous mets le lien direct vers un tutoriel en pas à pas pour la réaliser au crochet tunisien. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer par une hanse que vous pouvez acheter en mercerie. Dans ce tutoriel, j'ai donc vraiment décidé de m'attarder sur la réalisation des finitions. J'ai donc déjà réalisé des tutoriels, que ce soit pour faire des carrés granny, des doublures de sacs au crochet, des blocages, des finitions, euh, enfin des assemblages au niveau des carrés. Quoique je vous montre quand même en pas à pas dans cette vidéo comment réaliser un assemblage, c'est juste parce que j'avais envie de mettre l'accent sur... Les points vraiment importants de ce tutoriel, mais n'hésitez vraiment pas à me faire vos retours en commentaire. Donc, dans cette vidéo, je vais notamment vous expliquer comment réaliser l'assemblage ainsi que euh, venir monter la hauteur de votre choix en fonction donc du matériel que vous allez utiliser. Je vais à chaque fois, bien évidemment, vous donner les mesures en centimètres pour que vous puissiez adapter votre ouvrage vraiment à euh, votre matériel, votre façon de travailler ou tout simplement peut-être que vous allez avoir envie de réaliser un autre motif qu'un carré granny square et donc à partir des mesures en centimètres, vous allez pouvoir partir totalement en roue libre. Autre petit point important, sachez que si vous n'avez pas de fermeture glissière avec des trous, vous pouvez tout de même réaliser cet ouvrage sur la chaîne, je vous ai déjà proposé une vidéo où je vous montre en full pas à pas comment réaliser donc directement sur la fermeture glissière des mailles et c'est exactement le même principe. Donc si vous n'avez pas de fermeture à glissière comme celle-ci avec des trous, c'est pas grave. Vous pouvez très bien appréhender cet ouvrage tout simplement avec une fermeture glissière lambda et euh, venir faire vous-même des mailles directement en créant les trous. On va donc commencer par réaliser 4 carrés granit tout simples au crochet. Donc si vous ne savez pas comment réaliser des carrés granit, pas de souci, je vous laisse dans la description de cette vidéo une vidéo en pas à pas qui vous montre comment réaliser des carrés granit avec des changements de couleur. Donc là, sur ce modèle, j'ai fait simplement 4 rangs. En termes de dimension, on est sur environ 11 cm pour chaque carré granit. Idem, vous pouvez bien évidemment effectuer un petit blocage avant. Je vous recommande d'utiliser ce type d'ustensile qui facilite vraiment la vie. Moi, euh, j'ai utilisé voilà, ma nouvelle planche pour réaliser mon blocage. Je ne vous le montre pas dans cette vidéo parce que, idem, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toujours dans la description de cette vidéo. Un pas à pas qui vous montre comment effectuer un blocage au crochet. Une fois que nos quatre petits carrés granit sont prêts, donc moi j'ai au préalable coupé un petit morceau de tissu comme ceci. Donc j'ai tout simplement coupé un morceau de tissu, vous voyez, que j'ai replié aux dimensions donc de trois carrés comme ceci. Jusque-là, on est ok. Donc j'en retire deux, je laisse ici. Là, vous voyez, le but pour moi, ça va être de venir plier comme ceci pour avoir la forme. De ma petite banane. Donc, ce que je fais, c'est que grossièrement, je coupe les bords comme ceci d'un côté, puis je vais faire la même chose de l'autre. Vous voyez Et là, maintenant, deux options s'offrent à vous petit point de couture ici, ou alors, si vous le souhaitez, utiliser du thermocollant. Idem, je vais vous laisser avec une vidéo que j'ai déjà fait au préalable sur la chaîne. Où je vous montre comment réaliser une doublure pour vos sacs et accessoires sans passer par la case couture. Donc là, moi, pour ma part, je vais unir ici et ici avec du thermocollant. Donc là, voilà, une fois ma petite doublure réalisée comme ceci, je vais venir donc passer à l'assemblage de mes carrés. Donc pour ça, vous allez simplement les positionner comme vous le souhaitez. Donc moi, personnellement, je veux que euh, la partie blanche soit sur, enfin, la partie crème pardon soit sur les extrémités. donc, je vais déjà unir comme ceci, tac, tac, mes petits carrés. puis, après, je viendrai donc fixer celui-ci. donc, idem pour l'assemblage des carrés granit. je vais vous montrer comment faire, mais vous pouvez retrouver un tutoriel toujours dans la description de cette vidéo, en pas à pas, sur comment réaliser donc un assemblage. Moi, là, je vais piquer seulement dans les brins externes, comme ceci. Rattacher mon fil, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et en piquant donc à chaque fois dans les brins externes, je viens faire tranquillement des mailles coulées sans serrer. On reste très, 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 très souple. Donc, si vous souhaitez voir différentes façons d'assembler des carrés granis, vous pouvez donc retrouver toujours sur cette chaîne une vidéo en pas à pas qui vous montre plusieurs techniques pour assembler au crochet ou à l'aiguille des carrés granis. Une maille en l'air et on coupe. et on va donc faire la même chose ici on va ensuite unir comme ceci de là jusque là puis une dernière fois on va unir ici et ici afin d'obtenir donc tout simplement hop, la base de notre sacoche donc on unit ici et ici, voilà le résultat à ce stade au niveau de l'envers de l'ouvrage et au niveau donc de l'endroit de l'ouvrage. Maintenant, bien évidemment aussi, la partie de la doublure est totalement optionnelle. Euh, moi vraiment, je l'ai fait parce que je me suis dit que j'avais envie d'utiliser ma petite banane dans la vie de tous les jours. Alors pour être honnête avec vous, je trouve que euh, lorsqu'on a une doublure, ça rajoute quand même pas mal de cachet à un petit sac. Mais après, c'est vraiment une question euh, voilà, de goût et de couleur. On va dire ça comme ça. Donc, moi, ma bande thermocollant, elle est assez, vous voyez, jusqu'ici, elle est assez épaisse. Donc, comme ça, ça me laisse un peu de marge pour venir peaufiner. Mais encore une fois, je ne suis absolument pas couturière. Euh, le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous écouter vous-même ou alors aller suivre un véritable tuto. De couture, euh, voilà. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Je vous montre dans une vidéo comment faire des petites doublures sans couture. Après, honnêtement, je me sentirais pas à l'aise de vous donner des vraies techniques de couturière parce que ce n'est absolument pas mon domaine. Là, je vais simplement faire quelques ronds supplémentaires pour venir lever un peu mon ouvrage. Donc, à ce stade. Je vais venir me fixer et surtout travailler toujours avec mon crochet taille numéro 3 au niveau d'un angle. Donc là par exemple celui-ci un jeté, on passe une maille en l'air. Petit nœud de sécurité. Et au même endroit, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on peut mettre si on le souhaite un petit marqueur comme ceci. Au même endroit, on refait deux brides. Une et deux comme ceci. Une maille en l'air, on atterrit directement dans l'angle suivant et on refait trois brides. Une maille en l'air directement dans l'espace suivant, trois brides. Une maille en l'air, etc. Une maille en l'air directement dans l'angle suivant. Une maille en l'air. Arrivé ici, dans l'angle, donc voyez, de notre carré ici, celui-là, on va venir travailler légèrement différemment pour venir faire une jolie fixation avec notre D. On va venir faire dans les trois brides ici, trois brides, et dans les trois brides ici, trois brides également. Donc, un jeté, on passe l'anneau entre le carré et le crochet, Donc, ou si vous préférez un jeté, on glisse l'anneau et on pique dans la première bride ici, et on fait une bride. Un jeté dans la deuxième maille, une bride. Un jeté dans la troisième maille, une bride. Une maille en l'air, un jeté, et on répète la même chose au niveau des trois brides de l'angle. Voyez Une fois. Deux fois. Et trois fois. Une maille en l'air, hop, et vous voyez comme ça, on a vraiment quelque chose de joli au niveau de la finition. Au début, j'avais fait simplement en suivant le motif, mais je trouvais que c'était pas joli, ça pendouillait un peu, j'aimais pas trop le rendu. Donc je me suis dit que ça pouvait être plus sympa comme ça. Et donc là, on reprend normalement. Donc hop, vous voyez, directement ici, on refait trois brides. Une maille en l'air, etc. jusqu'à arriver de l'autre côté. Et donc là, idem, un jeté arrivé dans nos six brides de l'angle. On refait une bride, deux brides, trois brides, une maille en l'air, un jeté, et on refait nos trois brides. Une, deux, trois, une maille en l'air et on reprend. Vous voyez, je trouve vraiment le rendu canon comme ça. On a vraiment quelque chose de trop, trop cute. J'adore les jolies finitions. Je trouve qu'en fait, c'est ça qui fait vraiment la beauté d'un ouvrage. Et qui va faire en sorte qu'on va le porter ou pas. C'est vraiment la finition. Une maille en l'air et on unit. Là, on a le petit marqueur. Moi, je ramène toujours ma boucle à l'arrière. Donc, tout ça, c'est vraiment des techniques que je vous ai déjà proposées. Ce tutoriel reprend des techniques disponibles sur la chaîne. Donc, comment terminer un ouvrage en ramenant la boucle vers l'arrière, vous savez, pour avoir vraiment la petite bosse. Vers l'intérieur et non pas sur l'extérieur de l'ouvrage. Moi, pour la suite, je vais lever encore un rang pour avoir la hauteur que je souhaite. Donc, on se rattache au niveau d'un espace et on refait donc à chaque fois trois brides dans chaque espace. On marque la première. On espace avec une maille en l'air et on répète. On fait ça sur tout le rond. Donc moi, en fonction de euh, ma fermeture éclair, tout simplement, je suis venue baliser en laissant à chaque fois 12 motifs. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais mesurer l'espace. Donc au cas où vous souhaitez faire avec un modèle différent, j'ai environ 29 cm. Et donc là, on met de côté notre petite sacoche et on va venir travailler directement au niveau de la fermeture éclair. Donc pour ça, j'attache mon fil, un jeté, je passe, un jeté, petit nœud de sécurité. Et pour ma part, je vais tout simplement venir réaliser à chaque fois deux mailles serrées dans chaque petit trou. une maille en l'air, on coupe et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Et donc là, directement dans cette configuration-là, une fois qu'on a travaillé de la même façon de l'autre côté, là où on a mis notre marqueur, on vient travailler directement dans l'espace et on fait une maille serrée, comme ceci. Et là, on va faire sur chaque maille, ici, une, deux, trois, une maille serrée à chaque fois, en piquant dans les deux brins au niveau des brides du rang précédent. De nouveau directement dans l'espace, une maille serrée. Au niveau des brides du rang précédent, trois mailles serrées. Au niveau de l'espace, une maille serrée. Dans les trois brides, à chaque fois, une maille serrée. Et là, on se retrouve de nouveau ici, avant le marqueur. Donc, une maille serrée dans l'espace et on va reprendre de l'autre côté. Vous voyez, on va vraiment faire en sorte d'avoir de magnifiques finitions. Donc, là, de ce côté-là, au niveau, hop, de nos mailles que l'on a marquées, si on ne prend en compte que les brides, on a un total de 36 brides. Et là, si on prend en compte le nombre de mailles serrées sur la fermeture, on a un nombre de 38 mailles serrées. Donc pour faire correspondre ce nombre, on va, on va venir donc travailler directement dans les brides, on ne travaillera pas dans les espaces sauf dans le premier et dans le dernier. Comme ça on aura 38 mailles à travailler de chaque côté. Donc je vous propose que l'on fasse le premier ensemble. Donc là je pique directement dans la première maille serrée. Puis de nouveau dans l'espace où j'ai déjà réalisé une maille serrée. Voyez ici, avant mon petit marqueur. Et je fais donc une maille serrée, comme ceci. Je pique dans ma deuxième maille serrée. Et cette fois-ci, je pique au niveau de ma première bride. On ne va travailler que dans les brides et je fais une maille serrée. Je pique dans la maille serrée suivante. Et on fait de nouveau une maille serrée. Je pique dans la maille serrée suivante et dans la dernière bride, voyez de l'autre côté de mon premier motif, je fais de nouveau une maille serrée. Je pique dans la maille serrée suivante. Je saute la maille en l'air ici. Je ne travaille surtout pas. Je viens directement me positionner dans l'autre groupe de trois brides. Et je fais une maille serrée. Et on va fonctionner comme ça. Au niveau de la fermeture, on pique dans chaque maille. Et au niveau de nos carrés granit, de notre motif granit, comme là, on ne pique surtout pas. Ici dans l'espace, on vient vraiment travailler seulement au niveau des brides, ce qui nous donne ce joli résultat. J'ai vraiment vraiment vraiment, euh, je me suis trituré l'esprit sur ce modèle. Je me suis dit que j'allais vraiment vous proposer un modèle unique avec des finitions et des accessoires. Et là, je suis vraiment super fière de moi parce que euh, je sais que cette banane, une fois que je l'aurai terminée, je vais la porter sur toute la période de l'automne au moins. Elle est vraiment magnifique et j'adore les couleurs. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau des explications, je me suis attardée, on va dire, sur les difficultés de cet ouvrage. Dans la vidéo, j'ai préféré vous renvoyer à chaque fois sur des tutos que j'avais déjà réalisés. Que ce soit pour la réalisation des carrés granis ou encore pour les, les finitions. Parce que pour moi, là, le plus important, c'est vraiment ce genre d'étape pour avoir des finitions magnifiques. Là, encore une fois, on ne pique qu'au niveau des brides. On saute à chaque fois les mailles en l'air. Vous voyez, ici, on ne travaille jamais là. On vient bien piquer seulement au niveau des brides. Hop. Donc là, je retire mon petit marqueur. Je pique dans ma dernière maille serrée de euh, ma fermeture éclair. Et donc, comme ceci, une fois au niveau de l'espace, du dernier espace, ici où j'avais au préalable mis mon marqueur. Donc, je retire celui-ci également. Et bien évidemment, dans le même espace, je refais une maille serrée. Donc là, hop, avec un peu plus de recul, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un aspect waouh. Moi, j'adore. Voilà. Je, je suis vraiment, pour être très honnête avec vous, super fière de cette finition. Elle m'a pris un peu de temps à designer mais euh, je l'ai trouvé super intéressante voilà donc là on va simplement refaire la même chose de l'autre côté donc on va refaire une maille serrée cette fois ci dans chaque maille donc je reprends hop, dans mes brides jusqu'à arriver au marqueur suivant arrivé donc où j'ai mon autre marqueur une maille serrée je le retirer et donc seulement pour la première maille donc là on pique bien dans la première maille serrée au niveau de la fermeture et de nouveau dans l'espace dans le même on refait une maille serrée et cette fois-ci on reprend je pique dans la maille suivante et à partir de maintenant on ne va travailler qu'au niveau des brides sur notre motif granit. Donc là, je saute la maille en l'air et je viens bien directement repiquer au niveau de la bride suivante. Et on refait ça donc sur toute notre longueur. Et donc là, forcément, on termine par une maille serrée dans la dernière bride de l'autre côté et on reprend dans la dernière maille ici et dans le dernier espace qui est en fait le premier où on a fait juste une maille serrée une maille serrée directement dans cette configuration là alors on tire sur la boucle on va venir ramener celle-ci à l'intérieur Voilà, comme ceci. Donc là, on coupe le fil, on tire, hop là, et voilà. Et à l'intérieur, on peut faire un petit nœud de sécurité. Donc là, moi, ensuite, je vais venir, à l'aide de mon thermocollant, ajouter ma doublure à l'intérieur et on se retrouve juste après. Mais là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment un modèle super cute. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut